Mon métier consiste à accompagner les personnes en situation de handicap dans le quotidien, dans les gestes du quotidien. Aussi, assurer la bonne mise en œuvre de leurs projets, maintenir leur autonomie en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités. La mission principale, c'est l'accompagnement dans les gestes du quotidien, assurer leur suivi médical avec l'équipe, assurer leur inclusion sociale. Au quotidien, on a une équipe pluridisciplinaire, on a les infirmières, on peut aussi être en lien avec les lingères, les agents d'entretien, le chef de service, les coordinatrices, les médecins. Ce qui me plaît le plus, c'est la proximité avec les personnes accompagnées. On est très souvent en contact avec eux, les animations qu'on fait avec eux, l'esprit d'équipe aussi, le travail en équipe, c'est très intéressant aussi pour l'accompagnement des personnes. Il faut avoir l'esprit d'équipe parce qu'il faut savoir qu'on ne travaille pas seul. Il y a plusieurs intervenants auprès des personnes accompagnées. Alors, ce qui m'a amenée à faire ce métier, c'est le côté social. J'étais attirée par le côté médical, mais je ne voulais pas être soignante. Je voulais aussi ce côté social où on peut inclure les résidents sur les choses du quotidien qui pour nous sont des choses simples, mais pour eux, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, comme aller au cinéma, voter, parce qu'ils peuvent voter aussi, malgré leur handicap. Et pour moi, c'est important.